La maison de la francophonie de l'université Omar Bongo a été le cadre choisi ce 19 décembre en matinée pour la présentation des travaux du projet « Je parle Baka, je parle Koya », travaux réalisés par les doctorants de la chaire UNESCO Bantoufonie. L'objectif du projet « Je parle Baka, Koya » rentre dans le cadre de la décennie des langues autochtones lancée par l'UNESCO. C'est simplement un début, ou sinon la première phase. C'était une enquête de base pour essayer de collecter des informations, des données, des langues endogènes, pygmées, Baka, Koya ou Gabon. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la préservation des langues autochtones, chère à l'UNESCO. Il s'agit de faire de la sauvegarde des langues. Et derrière la sauvegarde de langue, on entend bien qu'il s'agit de la sauvegarde des cultures, il s'agit de la protection du patrimoine des communautés peuples autochtones, donc des communautés Baka de Minvoul et Bakoya de Mekambo. Au sortir de cette projection linguistique, le représentant AUF Gabon évoque l'intérêt de l'agence à soutenir ce projet. Le projet et ses ambitions rencontrent effectivement la vision et les activités de l'AUF, comme vous le savez, qui fait la promotion de la diversité linguistique et culturelle. Et donc, notre rôle dans ce projet a été effectivement de le concevoir, mais surtout de mettre à disposition notre espace, nos espaces, pour la tenue de cet atelier de valorisation des travaux de terrain. Pour la réalisation de ces capsules en langue Baka et Koya, les doctorants ont parcouru les villes de Makoko, Mekambo et bien d'autres. Comment on dit bonjour à Koya? Comment on dit bonsoir? Comment on dit à demain? Comment on dit après-demain? Comment on dit à la semaine prochaine? Comment tu dis le soir? Le matin, l'après-midi,